quelle grande fille ? Dans notre maison départementale de la solidarité, nous avons des pôles. Au niveau du pôle PMI, donc protection maternelle et infantile, nous avons différents professionnels comme des puéricultrices, infirmières, sages-femmes. On est un service qui peut voir les mamans pendant leur grossesse et qui peut aussi après voir les enfants de la naissance à 6 ans. C'est géré par les sages-femmes pour la partie sur les grossesses, puis après les infirmières puéricultrices prennent le relais pour les bébés jusqu'à 6 ans. Mon rôle, c'est d'accompagner au mieux les femmes enceintes afin qu'elles puissent accueillir de la meilleure des manières leur enfant au sein de leur famille et puis qu'elles puissent maintenir également le suivi tout au long de la grossesse et puis qu'elles puissent adhérer à tout ce qu'on peut leur proposer en termes de prévention. Souvent, c'est la sage-femme qui rencontre dans un premier temps les mamans pendant leur grossesse, puis après qui présente nous nos missions pour le suivi du bébé et donc du coup, nous, on prend le relais. Prochain vaccin à 6 ans, donc vous avez encore un peu le temps. Bien. On a aussi les médecins, donc des consultations médicales en binôme, donc où les parents nous voient nous dans un premier temps, puis après le médecin qui peut effectuer le suivi classique des enfants comme on ferait chez un médecin en libéral. Tiens, j'ai reçu les résultats d'analyse de la petite jeune, tu sais, de 15 ans, là, oui. Qu'on a vu l'autre jour. Bon, tout est normal. Le centre de planification, c'est le centre de planification et d'éducation familiale, en fait, qui est ouvert à tous, de la puberté jusqu'à la ménopause, et notamment aux mineurs. C'est un centre où on les accueille de manière anonyme et gratuite, et où nous faisons de la consultation médicale. De toute façon, on a juste discuté, j'ai pas fait d'examen, rien du tout. Là, vraiment, c'était une prise de contact. Je lui ai donné sa prescription de pilule, mais bon, on verra la prochaine fois. Dans ce service public, il y a aussi d'autres missions, comme l'exposition 2XY à destination des adolescents dans les collèges. Qu'est-ce qui est important dans cette expo ? Ça, c'est pas mal. Sur le consentement ? Ouais, ça permet d'aborder les premières fois, les premières expériences. Les élèves nous posent leurs questions de façon écrite et anonyme. Donc on répond à toutes leurs questions sur toutes les thématiques abordées par l'exposition. Et puis le prendre soin de soi, moi je l'aime bien parce que... Il y a beaucoup de changements, c'est vrai, à cet âge-là. La PMI est un service ouvert à toute la population et tout le monde peut faire appel à nous. Nous sommes un ensemble de professionnels qui pouvons être sollicités à tout moment de la grossesse et puis jusqu'aux 6 ans, voire plus, de l'enfant.